Salut les fines bouches. Bonjour à vous tous, mes amis du Nord, les amis du Nord de l'Afrique. Vous voyez, Agadir, c'est là-bas que j'ai appris, enfin appris, qu'on m'a aidé à apprendre à aimer ce plat. Nadjib, un petit clin d'œil. Je vais aujourd'hui tenter de vous proposer ma façon de faire la tagine ou le tagine. Grâce à mes tagines que j'ai achetées spécialement pour refaire la recette d'Agadir. Et donc aujourd'hui, on va essayer de s'y retourner une fois. Je ne dis pas que c'est la bonne. Je ne dis jamais que c'est la bonne. Mais en tout cas, c'est la mienne. Donc, aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin pour faire le tagine de la riade ? Tagine de veau de la riade. Donc, on a besoin de veau que j'ai pris dans la noix. On a besoin de légumes, tomates, pommes de terre, carottes, poivrons, courgettes, oignons. On a besoin d'arômes, donc on va mettre de la coriandre, du persil, du gingembre, des os. On va avoir besoin aussi d'épices, paprika, raser la noutre. Et à la fin, on va mettre un petit peu de raisin de Corinthe par-dessus que j'ai mis à tremper dans de l'eau. Pour commencer, on va d'abord éplucher tous les légumes, se débarrasser des petites choses encombrantes au milieu du poivron, tailler notre courgette et détailler notre morceau de veau en petits carrés de 4 cm. Je fais tout ça, je mets de l'ordre et puis après on monte les tagines. A tout de suite. Chers amis, j'ai découpé la viande, vous voyez, en morceaux. J'ai découpé les légumes, la plupart. Et on va commencer à dresser les tagines. J'en fais deux, hein. Une pour Gilbert et l'autre pour Gilbert. Là, vous avez vu, j'ai coupé une carotte en morceaux, un peu des bâtonnets. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Parce qu'on me l'a dit, hein. C'est que là, vous la mettez au fond, et quand vous allez poser la viande dessus, en fait, la chaleur ne va pas brûler la viande, elle sera protégée par les carottes. Donc là, on va mettre donc des bâtonnets dans les deux. On va mettre notre morceau de viande. Ensuite, nous allons prendre un oignon, un sur les deux. On va le découper en tranches, en fines lamelles comme ça. Et on va le mettre un petit peu autour de la viande comme ça. Vous voyez ? Ensuite, on va prendre des pommes de terre. Donc la pomme de terre, je l'ai coupée en deux, puis en deux. Donc ça fait quatre morceaux. Là, je les coupe comme ça pour les partager dans le tagine. Là, pareil. Ensuite, on va venir remettre l'autre carotte que j'ai coupée en petits biseaux. Là, on va prendre la courgette. On va faire des rondelles. On va venir les disposer, par exemple, autour. Faire une espèce de collerette. On a le droit d'essayer de faire des décos sympas. Hein. Quand on arrive à ce moment-là de la recette, on peut penser à allumer le four.
210 degrés. Thermostat 7. Ensuite, on va prendre nos poivrons. Mettre dessus comme ça. Là, on prend coriandre, persil, l'autre oignon, les os. On met tout ça dans le mixeur. On achète très fin. On prend une tomate qu'on coupe en tranches comme ça, non sans avoir enlevé avant le morceau, vous savez, le petit morceau qui rattache à la feuille, celui-là. Il faut l'enlever parce que c'est pas agréable à manger. Là, on va prendre quelques raisins. Paprika. Raser la noutre. Bon, ici, moi, le paprika, il est doux, hein. Le fort... Là, ensuite, on va mettre du gingembre râpé. Si vous n'en avez pas de frais, vous mettez en pot. L'huile d'olive, on y va gaiement. Et pour éviter que ça soit trop sec, on va mettre un petit peu d'eau. Là, on va mettre du sel. Par-dessus, le poivre, on a déjà mis du paprika. Et là, on va mettre un petit peu d'eau, vous voyez. Là, on va prendre le persil, coriandre, ail qu'on a haché. Tout ça par-dessus, ça va fondre, ça va tomber. Le four m'appelle. Voilà. Donc là, on va couvrir et on va mettre au four à 210 pour au moins une heure. Si c'est un peu plus, c'est pas très grave parce qu'il faut déjà le temps que le tagine chauffe et après, il faut qu'il cuise tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ben, on se revoit dans une heure, puis on verra ce que ça donne. Normalement, ça devrait être très bon. A tout de suite. Voilà, une heure de cuisson, une bonne heure. Je les ai laissés un petit peu détendre après au four. En vérité, on finissait une autre recette, donc c'est resté 1h10 dans le four. Et voilà ce que ça peut donner. Voyez-vous. On voit qu'il y a un peu de jus sur le bord
Et puis alors, les parfums, allez-y. Hein. Là, si je ne suis pas à Agadir, je ne sais pas où je suis. Hein. Voilà les amis, voilà tous les amis, la version du tagine à la riad. Probablement que, à l'instar d'autres plats, il y a des milliers de façons de la faire. Ça, c'est la mienne et je suis très fier de la partager avec vous. Avec vous, avec tout le monde. Donc je vous dis, essayez-en une, dites-moi, et puis nous pourrons en parler sur nos commentaires, sur la chaîne. On pourra parler dans toutes les langues et avec tous les mots. En attendant, je vous dis à vos couteaux, à vos fourchettes et la bise à tout le monde. Alors, tout se passe bien ?